Tu es quoi? Je suis sorcière. J'ai été initiée par ma grand-mère. Quelle grand-mère? La maman? Ma grand-mère maternelle. Un jour, ils avaient préparé un riz. Il y avait la jeune dedans. Maintenant, quand on mangeait, elle a transformé la jeune. Maintenant, après la nuit, quand il dormait, elle est venue me prendre. Elle est arrivée là-bas, elle m'a montré de la manière de m'initier. Maintenant, après, elle m'a dit de donner mon grand frère. Il s'appelle Emmanuel. Premier, il a refusé. Puis elle m'a montré faire. Elle dit que si je ne le tue pas, elle va me chicoter, soit elle va me tuer. Et ça, il a donné mon grand frère maintenant. La nuit, je suis parti appeler son âme 3 fois. Maintenant, son âme s'est levée. Après, je suis parti, je l'ai transformé en mouton. Je suis parti l'attacher. Maintenant, arrivé là-bas, il l'a tué. Maintenant, après, elle m'a demandé de garder la vie de ma mère. Que de coucher avec ma mère. Elle est couchée avec ma maman. Mais elle a gâté son enfant de moi. Elle a versé caca sur elle. On appelle ça Gounini. Caca de sorcier, on appelle ça Gounini. Ça sent quand ça jette tous les hommes. On ne veut plus qu'à Jovan. Donc tu as mis Gounini ciel. Comment tu as fait? Elle est tombée, mais je suis partie chier sur elle. T'as chié sur elle? Et puis t'as fait quoi? Maintenant, après, elle est gâtée encore avec de ma tante. Tu couches avec elle, tu as dit? Oui, je couche avec elle. Tu couches avec elle? Mais pas qu'elle gagne de mari. Non, tu fais comment? Arrivé là-bas, je t'en fais. Et puis, je me transforme en garçon. Ton kiki sort? Oui, papa. Et tu couches avec elle? Oui, papa. Donc, elle est ta femme? Oui, papa. Tu fais quoi? Maintenant, après, ma grand-mère m'a demandé de garder la vie de sa fille. Elle, sa grande soeur. Elle est où? Elle est en Europe. Elle t'a gardé sa fille, sa vie? Son travail. Tu as gardé quoi dans sa vie? Elle est chez dans son bureau. Dans son bureau? Oui. Comment? Arrivée là-bas. Elle, quand elle a fini, et puis elle est partie, elle a fini le travail, elle était partie à la maison. Mais la nuit, je suis partie. Il a chié dedans. Mais le lendemain, quand elle est venue, son patron était rentré. Puis son patron dit que son gros champ sent l'odeur de caca. Maintenant, c'est ça. On dit qu'il ne faut plus avoir travaillé là-bas. Tu as gâté le travail de ta tante. Mais comment tu as fait pour te partir en Europe? C'est elle qui est partie là-bas? Oui, c'est moi qui suis partie là-bas. Comment tu t'es rendu en Europe? Ma grand-mère m'a donné l'esprit des dragons. Mais ton son en dragon pour partir là-bas. Et comment tu fais? Quand je suis parti, je m'abaisse, on sait plus, je regarde. Hein? Je m'abaisse à terre, on sait plus, je regarde. Après, maintenant, je me transforme. Et puis, je m'en fais. Tu t'envoles? Voilà. Tu fais combien de temps pour arriver? 48 minutes. À toi, tu es 48 minutes. Sans doute, c'est 30 minutes. Bon, ça veut dire que Boeing va vous embaucher. Vous allez balancer la formule pour rendre un avion qui arrive en moins d'une heure en Europe. Sinon, c'est 6 heures. Bon, pour ceux qui viennent de Paris. C'est 6 heures. Bruxelles, ça fait 7 heures. Et tu fais 48 heures et tu arrives. 48 minutes. Oui, papa. Et tu allais faire le gounini là-bas. T'as chié. Oui, papa. C'était pourquoi? Parce que ma grand-mère dit que c'est elle qui s'occupe de nous. Donc, gâtez ton travail. Ah, donc, c'est mauvais de s'occuper de vous. Donc, de gâter son travail. Oui, et toi, tu as accepté de gâter le travail de c'est une personne qui s'occupe de toi. Ma grand-mère dit si elle garde son travail, elle va s'occuper de moi. Donc elle s'occupe de toi maintenant. Hein? Mais toi, tu n'as pas eu pitié. Parce que papa, la dame s'occupe de toi, mais pourquoi toi, tu n'as pas eu cette pitié là? Papa m'a forcé. Et donc tu couches avec ta maman? La puissance du Saint-Esprit. Je détruis ton pouvoir. La puissance de Jésus. Je détruis ton pouvoir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
commande aux forces des ténèbres de lâcher la vie. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez totalement sa vie. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Le feu de Dieu consume tes œufs dans ce corps. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Détruit tes œufs dans ce corps. La puissance de Dieu consume tes œufs dans ce corps. Allez! Le feu. Feu! Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Je libère ton âme, ton esprit et toute ta vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche sa vie. Libère-la. Au nom de Jésus. Libère totalement sa vie. Dans le nom de Jésus. Libère totalement sa vie. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Bien. Donc comment tu fais? C'est à quel moment le truc là vient? Le dragon fait? C'est à quel moment? C'est quand on est là-bas. Et puis après, quand on m'appelle, c'est plus là-bas. C'est ça, ma grand-mère, elle peut le faire. C'est le plus simple. Et le dragon te poussait, c'est ça? Tu vas détruire la vie d'une personne que vous êtes. Comment ça, tu ressens ça? Comment tu sens ça? Là-bas, ma grand-mère, elle est riche là-bas. Donc, elle ne devrait pas s'occuper de moi. Maintenant, elle t'a blagué. Le feu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Feu! Amène la délivrance. Que Dieu bénisse tout à l'heure la réception. Oui.